Après l'accident mortel survenu à Saint-Fons le week-end dernier, le conducteur a été écroué. Vers 6h30 dimanche matin, sa voiture avait violemment percuté un mur en béton sur une bretelle d'accès à l'A7, causant la mort de deux jeunes de 17 et 18 ans, des autostoppeurs qu'il avait pris quelques minutes plus tôt à Perrache. Âgé de 24 ans, le conducteur affichait un fort taux d'alcoolémie au moment des faits. Il affirme s'être endormi au volant et ne se souvenir de rien. Il circulait sans assurance et venait tout juste de repasser son permis après avoir perdu tous ses points.